devenue flic, toi? Me dis pas que c'est ça que tu voulais faire quand t'étais petite. Non, je voulais être patineuse. Ah ouais? Oui. Et comment t'es passée du patin au flingue? Je sais pas. Ça s'est fait comme ça. Allez, bonne journée. Merci. Je te crois pas. Et vos crises d'angoisse? Vous savez, moi, je pense pas. C'est comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domesticable. Personne cherche à te domestiquer. J'entends le vent souffler et j'avance. L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas. Moi, quand je rentre le soir, je mets des sapes et je compte jusqu'à 60. Donc ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi. Un gars doit être présenté à l'avion dans 3 heures, c'est nous qui faisons la reconduite frontière. Ouais, mais c'est pas notre boulot, quoi. Pourquoi ça nous fait faire ça? C'est le type avec le pull orange. Méfiez-vous quand même. Ils vont le tuer. Pourquoi une décision d'expulsion aurait été prise si on était certain qu'il allait se faire buter à son retour? Les types, ils exagèrent les menaces pour avoir leur statut de réfugié. Comment on fait la différence entre un réfugié et un terroriste? Ça te fait rien d'envoyer un homme à la mort? C'est moi le salaud, c'est ça? J'obéis aux ordres, c'est mon boulot, figurez-vous. C'est juste un pauvre type. T'as pas de couilles au cul, en fait, hein? Pas les tiennes, en tout cas. Vous me faites chier! Personne n'est innocent. Jusqu'à preuve du contraire. 20 ans de service, pas une tâche sur mon dossier, et il a fallu que vous foutiez la merde.